Je n'ai aucune idée sur le musée, mais ce qui est vrai, c'est juste l'étoile que le Congo porte sur son maillot. C'est ça le plus important. C'est ça vraiment le symbole. Si je ne me trompe pas, il y a 1972. Hein. 1972. Contre quelle équipe ? L'équipe, je ne maîtrise pas. Je ne sais même pas si j'étais déjà né ou pas. Le message est juste que si c'est possible, ils peuvent exposer ça, même dans le stade ou bien devant le stade, que les gens viennent voir. Ça sera un truc bien. Parce que c'est notre trophée, en fait. On entend juste parler, mais on n'a jamais vu. L'année que le Congo a gagné la CAN. Ah, ça, vraiment, ça, je sais pas. Alors, la deuxième question, où se trouve le trophée que le Congo a gagné? Mais c'est ici à Brazzaville, non? Ce n'est à pas Brazzaville, ça. Où? Ah, je sais pas. Tu as déjà vu ça? Si, déjà. Tu as déjà vu le trophée que le Congo a gagné? Oui, déjà. Où? Mais ici, seulement à Brazzaville, je ne sais pas. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Alors, à quelle année le Congo a gagné la CAN? Le Congo a gagné la CAN en 72, je crois. Oui. 72. Contre quel pays? C'est quel pays même? Je ne sais plus trop. Hein. Vous avez gagné combien? Ça non plus, je m'en souviens pas. Dites-nous, le trophée, ça se trouve où? Le trophée? Que le Congo a gagné en 1972. Oh là là. C'est à Brazza ici quand même. Tu as déjà visité ça? Non, pas encore. L'année que le Congo a gagné la CAN. Entre. Moi, monsieur. La CAN. Le Congo a gagné la CAN pour quelle année? La partie de la. Tu sais que le Congo a gagné la CAN, oui? Oui, le Congo a gagné. Contre quelle équipe? Franchement. Contre quel pays? Venez vous exprimer. Oui. Tout le Congo a gagné la CAN en quelle année? En 1972. Contre quelle équipe? Face à l'équipe du Mali. Combien? Le score. Bon, je vais tenter 3-2. Ils doivent nous dire là où se trouve le trophée, comme ça. Si on a envie de visiter, on pourrait peut-être faire un tour. Makita Prince. Makita Prince. Dites-nous, le Congo a gagné la CAN en quelle année? La CAN en quelle année? Mais ce que je connais, c'est les années qui datent, bien sûr. Les années qui datent. T'as dit, tu ne connais pas, mais ça. Oui, je ne connais pas en fait précisément l'année, mais sûrement ce sont les années qui datent. Parce que là, on parle d'un certain, je crois, qui là? De Missa Roger ou quoi là, je ne sais pas trop, mais sinon ça date. Dites-nous, c'est quoi de quel pays? Là, je ne connais pas. Hein. Tu connais pas. Les scores, tu connais pas aussi. Alors? Les scores. Les scores, je ne connais pas. Alors, la dernière question. Dites-nous là où se trouve le trophée que le Congo a gagné. Là où se trouve le trophée. Mais c'est sûrement le Congo à un musée ou en garde. Est-ce que tu as déjà visité le patrimoine du Congo? J'ai jamais eu cette chance. Donc, je ne sais pas là où se trouve ce trophée. Mais vraiment, si ce musée est ouvert à tout le monde, le gouvernement peut faire en sorte que ces gens et tout le monde puissent regarder et voir en fait où se trouve ce trophée. Sinon, moi aussi, j'ai hâte de voir ce trophée réellement. Mais sinon... Peut-être les dames aussi peuvent passer par rapport à ça. Nous, en quelle année que le Congo a gagné la CAN? 72. Si je ne me trompe pas. Ah, tu te trompes? Pardon? C'était contre quel pays? Je ne sais plus, hein. Je sais pas. J'étais même pas né l'année en question. Où se trouve le trophée que le Congo a gagné? Le trophée que le Congo a gagné? Bizarrement, je me suis jamais posé cette question. Je sais pas moi. Peut-être on a exposé ça dans une galerie d'art, je sais pas moi. Je sais pas. Est-ce que tu as déjà visité? Non, jamais. De nous montrer ce trophée là, parce qu'on en parle seulement nous sommes champions d'Afrique une fois, mais on n'a jamais vu cette coupe là nous-mêmes de nos yeux. On voit seulement à la télé et tout. Donc si on peut aussi nous donner l'occasion de voir, peut-être de toucher si possible, ça sera quelque chose de bien. Je n'ai jamais vu le trophée que le Congo a gagné, mais nous entendons parler dans l'histoire, dans les pronostics que le Congo a une Coupe d'Afrique, mais nous ne l'avions jamais vu. Je pense que ça serait mieux que l'État congolais pense à exposer cela, à le mettre même dans
dans une émission, afficher que non, voilà, telle coupe que le Congo a gagnée dans telle année avec tel pays, ça serait mieux pour les générations futures et pour nous autres qui venons d'être nés dans les années 2000. Donc. Les Congolais ont gagné le trophée de la CAN en 1972. C'était le Diable Rouge qui avait joué. Parmi ceux qui étaient des joueurs, il y avait des Tostas, il y avait les Mbono, les Sorciers. En tout cas, à cette époque, le sport congolais brillait. Brillait parce qu'on mettait la qualité et l'importance de notre pays. C'est-à-dire on se donnait et comment nous pouvions gagner ou mener la République au niveau de l'international. Voilà. C'était contre quel pays ? En tout cas, le Congo aujourd'hui n'a pas mis l'exposition de ce Coupe de la CAN. Bon, je ne sais pas si nous avons un musée du sport au Congo. Vous les journalistes, vous pouvez mener des recherches, mais je pense non. Je pense non. Sinon, ça devrait être un trophée exposé qui marquait la République pour la réussite. Mon souhait, que le gouvernement puisse mettre en œuvre, le sport congolais puisse aller en avant. C'est-à-dire créer le musée sur le coup pour qu'on avait gagné de Yaoundé 72, mais que Yaoundé 72 ne soit pas seulement comme l'idéologie, mais ça puisse aller en pratique, que les jeunes puissent prendre leur responsabilité d'amener aussi ce trophée au Congo les années à venir, puisque nous ne pouvions pas amener notre pays au-delà sans que nous n'ayons pas cette ambition, cette canalisation afin de développer notre pays au niveau du sport. Le Congo a eu sa première CAN senior en 1972. C'était contre quelle équipe ? C'était contre le Mali. Et le score ? Le score était de 3 buts à 2. Actuellement, le Congo n'étant plus détenteur de cette coupe, donc aujourd'hui, cette coupe appartient à... Puisque c'est une routine, quand vous gagnez, on met la coupe. Maintenant, l'équipe qui organise, donc quand le Congo a gagné sa coupe, il a mis ça en valeur. Et c'était l'autre pays qui a organisé la compétition. Et la coupe est partie jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que le Congo a gagné la coupe, mais le Congo n'est pas détenteur de cette coupe. Bon, s'il existe un musée comme ça au Congo, je n'ai aucune idée. Mais ce qui montre que le Congo a gagné sa première CAN en 1972, c'est l'étoile que le Congo porte sur son maillot. C'est juste ça comme symbole.